J'ai vu Marie-Michel l'autre bord. Fait que je me suis dit, mais en même temps, il y avait une opportunité de but aussi. Fait que c'était un des deux. C'était un 2-1, là. Alors, ce n'était pas une de nos joueurs qui l'a marqué, mais c'est un peu chanceux avec les Coréens qui ont mis dans leur propre but. Mais après une performance comme ça, 90 difficiles minutes, comment est-ce que vous sentez avec ce résultat? Sérieusement, je me sens vraiment bien. Je pense qu'on a tout donné ce qu'on avait sur le terrain. Il n'y avait rien d'autre à donner, puis on a réussi à aller chercher un bon résultat parce qu'on perdait au début, là. C'est une grosse équipe, elle a gagné ses deux matchs. C'est une équipe physique, elle ne lâchera pas, elle ne lâche jamais. Mais faut vraiment essayer de gagner, puis on va réussir. 7 points, vraiment, ça fait beaucoup de changements avec la groupe. Maintenant, le Canada, c'est en deuxième position. On peut avancer avec une partie égale contre le Ghana, mais est-ce que vous pouvez parler un peu de l'importance de gagner le seul point ici aujourd'hui? Aujourd'hui, ça a vraiment été utile. Si on avait perdu... ça aurait été vraiment difficile. Fait que maintenant, avec 2-0 en deuxième position, il nous reste juste, notre sort est entre nos mains. Il nous reste juste à gagner, puis on passe en quart de finale.